Abdourahmane Sangaré. Je suis né le 9 mars 1946 à Mbayakro. J'ai fait l'école primaire à Tiassalé et à Boaké. J'ai fait le secondaire à Boaké et j'ai fait l'université d'Abidjan. J'ai été maître assistant, puisque maintenant je suis à la retraite. Mais au-delà de mon curriculum vitae, de ma date de naissance, je tiens surtout à dire que je suis à la fois et du nord et du centre. Ma maman est Baoulé, elle est du centre. Je suis né à Mbayakro, je suis du centre. Et mon père était justement est du nord, il est né à Odjéné. Donc vous voyez déjà ce métissage entre le nord et le centre. Quand on dit que Laurent Gbagbo n'aime ni le nord ni le centre, je suis un bon produit pour montrer que c'est déjà faux. Parce que je suis à la fois du centre, de mon côté Baoulé, et du nord, de mon côté Malinké. Et je suis quand même l'un des amis de Laurent Gbagbo. Donc déjà, c'est une façon de dire qu'il y a quand même des mensonges qu'il faut justement chercher à extirper. Le président Laurent Gbagbo le disait lui-même, un autre moi-même, c'est mon frère jumeau, c'est une partie de moi-même. Il l'a dit, je crois que c'est flatteur pour moi. Je pense que ce qui fait notre amitié, c'est la confiance, ce sont nos convictions. Parce que je pense que Laurent Gbagbo n'a pas besoin de savoir ce que Sangaré a fait ou ce que Sangaré fait. Sangaré n'a pas besoin de savoir ce que Gbagbo fait ou bien ce que Gbagbo a dit. Nous nous comprenons et nous nous connaissons. Donc il y a des choses que nous ne pouvons pas. Nous savons jusqu'où aller ensemble. Donc c'est d'abord flatteur de dire que je suis l'un de ses amis et je suis sûr aussi que aujourd'hui, là, il me manque énormément. Il me manque énormément. Donc, cette amitié-là, c'est une amitié fondée sur le partage, la solidarité, la confiance réciproque et les convictions qui demeurent à nous. Et notre une vision de la politique aussi en Afrique. Alors, les souvenirs, je crois qu'il faut vraiment chercher à les raccorder, à les retrouver. Parce que nous étions dans l'histoire sans savoir que nous étions en train de faire de l'histoire. Parce qu'au début du Front populaire ivoirien, il faut quand même reconnaître qu'il y a d'abord l'embryon du Front populaire ivoirien, ce fameux serment de Strasbourg, des quatre qui ont posé les bases du Front populaire ivoirien. Zadi Zaourou, Traoré Amadou Di le Puissant, Assouadou et Laurent Gbagbo. Tout part de là. Il y a ce serment de Strasbourg. Si jamais l'un de nous deux meurt, celui qui reste en vie doit tout faire pour conquérir le pouvoir, pour changer la Côte d'Ivoire. Et le pays, à partir de mars 82, a vu le jour. Mais c'était quand même cocaque parce que nous étions en train de faire les histoires sans le savoir, parce qu'en fin de compte, on n'avait même pas de nom. En se rencontrant, on n'avait pas de nom. On parlait de l'organisation. C'est quand Laurent Gbagbo est parti en exil qu'en 83, ils ont parlé du Front populaire ivoirien. Il y a des souvenirs de la clandestinité, parce que quand moi, dans mon cas, j'ai été bloqué toute une nuit dans les escaliers parce qu'il y avait un chien devant une porte et je ne pouvais pas passer. On a des souvenirs comme ça, la distribution des tracts aussi, ce sont des souvenirs. Puis même quand on se retrouvait pour le congrès constitutif, les 19 et 20 novembre 88, pour le congrès constitutif, automatiquement, ce sont quand même de grands souvenirs aussi. Parce qu'à ce moment-là, nous étions pratiquement partis à l'aventure. Il y a eu des moments, même quand une bouteille a explosé, une bouteille doit exploser, on a tous pris peur. Et puis, il fallait mettre des gardes un peu partout. C'était... On allait pour une grande aventure, mais on ne le savait pas. Et on était quand même... on allait la peur au ventre. On a quand même pu tenir ce congrès-là. Donc, ça, c'est souvenirs-là qui parsèment notre vie. Il y en a beaucoup, mais quand vous m'en parlez comme ça, je ne vois que cela. Parce qu'on était dans l'histoire sans le savoir. Et c'est aujourd'hui, maintenant, que l'histoire est en train de nous rattraper. C'était le parti unique. C'est le parti unique. Ouais, on dit le Front populaire ivoirien. C'est-à-dire que nous n'avions pas de personnalité. Il n'y avait pas de véritable. On y a un front, une vaste ouverture. Et là, peut-être que vous viendrez à la question, c'est que Laurent Gbagbo, bien sûr, il est socialiste, de par son père, qui était socialiste, et de par ses convictions. Mais il est pragmatique d'abord. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas l'idéologie en tant que telle. Il n'a d'ailleurs pas de parrain politique. Il a des parrains littéraires. Victor Hugo, Dostoïevski, Gorky, donc ce sont ses parrains littéraires. Mon niveau politique n'a pas de parrain, parce qu'il n'est pas un homme d'un dogme. Il aime la pratique, la réalité du terrain. Donc on a parlé de Front populaire ivoirien, c'était au-delà des idéologies. Tous ceux qui veulent se battre pour la démocratie en Côte d'Ivoire se retrouvaient dans ce front-là. Donc c'est pourquoi on parle du Front populaire ivoirien. C'est ce qui fait l'importance de cette structure-là, c'est-à-dire que nous ne nous appartenions pas. Nous avons mis ce cadre-là à la disposition des Ivoiriens pour combattre le parti unique. Le parti unique, je pense que ce n'est pas facile à vivre. Ce
n'est pas facile à vivre le parti unique. Parce que c'est vraiment la terreur au quotidien. Et de plus en plus, ceux qui sont là actuellement au pouvoir veulent nous faire aller encore au-delà du parti unique. Je pense que d'abord, c'est un hommage à ma personne. Hein. Cet hommage, je le reçois avec humilité, responsabilité et avec reconnaissance. Reconnaissance envers le président Laurent Gbagbo. C'est parce qu'il m'a donné son onction comme appel gardien du temple. Parce qu'il a fait de moi l'un des pères fondateurs du Front populaire ivoirien avec Simone Eve Gbagbo. Donc j'ai les clés quand même de la fondation. Je connais les fondamentaux. Je le reçois avec humilité parce que le pays, c'est une grosse machine. On ne peut pas garder ce temple tout seul. J'ai besoin de tout le monde pour garder ce temple-là. Mais aussi avec responsabilité. Parce que je fasse tout pour continuer à demeurer le gardien du temple. Que le temple n'ait pas de fissure, que le temple ne s'écroule pas. Vous verrez la vie de tous les partis politiques. Le RPR, le seul parti, a résisté dans la bourrasque. Même après 2 avril 2011, le RPR est resté debout. Parce qu'au départ, il y a des convictions. Parce qu'au départ, il y a la foi. Parce qu'au départ, il y a un homme, Laurent Gbagbo, qui a donné le ciment qu'il fallait pour consolider nos bases. Donc, humilité, reconnaissance, responsabilité. Moi, ce ne sont pas des actes de bravoure. Hein. Pour moi, cela va de soi. Je ne pouvais pas être ailleurs pendant qu'on était en train de bombarder Laurent Gbagbo. Je ne pouvais pas être ailleurs. Il fallait que je sois à la résidence, aux côtés de lui, pour voir ce qui va se passer. Je pense que j'ai été aussi l'un de ses compagnons de route. Il m'a consulté parfois dans des moments difficiles. Je lui ai donné mon point de vue. Il a suivi ce point de vue-là. Je ne pouvais pas quand même, ce jour-là, faire ma charrière. Non, je ne pouvais pas du tout. Ce n'est pas dans mes habitudes. La fidélité, la loyauté, je pense quand même que je fais tout. Rester fidèle et loyal. Parce qu'en face aussi, je sais que la personne mérite cette fidélité et cette loyauté. Donc à mon niveau, ce ne sont pas des actes de bravoure. Cela allait de soi, cela va de soi. Je le referais si j'avais à le refaire. Je n'ai aucune hésitation. Mon seul aujourd'hui, mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir être à la CPI avec lui. Ça, c'est mon seul regret aujourd'hui. Je pense qu'on a posé des bases ensemble, on a discuté ensemble, on a eu une vision ensemble de la Côte d'Ivoire, on a eu des débats à la résidence, on était tombés d'accord sur ces débats-là. Donc s'il y a quand même des coupables, je crois que nous sommes tous coupables, nous qui étions quand même ces collaborateurs premiers. J'aurais été malheureux vraiment si j'étais en dehors de la résidence. Entendre justement le bombardement à la résidence, je ne sais pas comment j'aurais pu quand même supporter cela. Donc pour moi, c'est le meilleur lieu, justement, les choses étaient la résidence. Le meilleur abri, c'était la résidence pour moi, parce que là, j'étais à ses côtés. Elle vienne que pourra. Parce que de toute façon, ce n'est pas au moment où on a la résidence qu'on se pose la question. C'est lorsqu'on entre en politique, dans un système de parti unique. Quand vous entrez, c'est comme quand vous allez dans l'avion, vous attachez la ceinture, c'est terminé. C'est en ce moment qu'on se pose la question de savoir si on doit y aller ou pas. Mais une fois qu'on se pose la question, qu'on a résolu la question, tout le reste se déroule normalement. Il peut y avoir l'espoir au bout, il peut y avoir la mort au bout, mais tout cela aura servi à quelque chose. Dans 50 ans, les générations à venir seront surprises quand même de voir qu'on puisse bombarder la résidence d'un chef d'État. Ce monsieur-là, je le connais, il est resté cohérent, il est resté en accord avec lui-même. Il n'a jamais, en aucun moment, eu l'intention de céder. Parce que céder, c'était quand même trahir les Ivoiriens. C'était trahir tout un peuple, c'était trahir tout un continent. Il ne pensait pas à se sauver lui-même. Oh, sa vie, je crois que sa vie, il a déjà résolu la question de sa vie. Quand je vous ai dit, si je meurs enjambé mon corps, sa vie n'est qu'un élément. Vous savez qu'il est très croyant aussi. Tout cela forge, participe de sa vie. Donc, en aucun moment, il ne cherche à sauver sa tête. Il a toujours pensé au peuple de Côte d'Ivoire. Et même sous les bombardements, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils me bombardent? Ils ne comprenaient pas. Pas dans sa logique, à lui, dans sa philosophie de la politique, à lui, ils ne comprenaient pas qu'on puisse aller bombarder quelqu'un qui n'a demandé que de compter, de recompter les bulletins. Ils ne comprenaient pas. Et je ne l'ai jamais vu paniquer. Il est resté serein, avec la même dose d'humour. Il passait partout pour réconforter, pour apporter un mot à chacun. Je pense que c'est ça aussi. Aujourd'hui, il a une dimension d'homme d'État. Ce n'est pas en étant assis dans un fauteuil
ou bien en changeant chaque fois de veste, qu'on a une dimension d'homme d'État. C'est un parcours, c'est une vision, ce sont des responsabilités, c'est un itinéraire et c'est aussi un courage. Aujourd'hui, parler de courage de Laurent Gbagbo, ça va de soi. Dans une région où il y a des courageux, vous avez quand même de grands guerriers comme les Okoubeli, ils sont connus. Et là-bas, même quand vous arrivez, on dit qu'un homme, justement, doit être vaincu, il faut qu'on voit dans les broussailles qu'il s'est battu. Ça, c'est important. Donc, la philosophie même de toute une région est devenue sa philosophie. Vous voyez la vie de son père aussi. Quand vous prenez tout cela, ce n'est pas surprenant aujourd'hui. Il est tombé très tôt dans la potion du courage. Et c'est une dimension de lui-même. Le courage, l'intégrité font partie de Laurent Gbagbo. Donc, à aucun moment, vraiment, je ne l'ai jamais vu céder, avoir peur de ce qu'il fait. Non, il est conscient des responsabilités. Et chaque fois, il pose cela par rapport à ceux qui l'ont mis là. Ben, il a quand même été élu. Il est porteur quand même, dépositaire de tout un espoir. Alors, si vous êtes dépositaire de tout un espoir et que dès qu'il y a une petite dose de vent, vous fuyez, ça ne va pas. Vous savez, ce qui est intéressant dans la vie de Laurent Gbagbo, il a fait l'armée. Et ce qui devait justement le tuer le renforce. Ceux qui l'ont envoyé dans l'armée croyaient le punir. Mais là-bas, à Boaké, à l'EFAPA, il avait tous les camps militaires, Serila, Dalwa, Boaké, et choses et tout. Il avait à Kouedo, il avait tous les camps militaires. Il a appris le fonctionnement, il a appris le commandement, il a appris la discipline. Il a appris surtout qu'un militaire, par exemple, un militaire au bout de son combat, c'est mourir. Qu'on ne peut pas faire la politique sans mourir. C'est-à-dire que, comme lui-même le dit, pour aller quand même, tu ne peux pas quand même arriver au paradis sans mourir. Il faut d'abord mourir. Il faut prendre des coups. Et même dans la Constitution, il voulait mettre que pour faire la politique, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir fait l'armée. Mais il a dit, bon, encore avec les résistances dont vous parlez, les gens allaient dire qu'ils cherchaient la chose. Mais l'armée l'a beaucoup aidé. Lui, dans son action, il y a la mort au bout. Mais bien sûr, personne n'a mouru. Il doit se battre pour ne pas en arriver là. Donc, c'est pourquoi il est resté serein, tranquille. C'est pourquoi, comme vous avez vu une chose, lorsqu'il est à la CPI, il y a eu cette même sérénité. Quand vous êtes convaincu de ce que vous faites, quand vous êtes juste avec vous-même, quand vous n'avez pas triché, quand vous êtes humain, quand vous acceptez de partager, quand vous ne faites pas quand même des coups bas aux uns aux autres, j'ai jamais vu ce monsieur-là s'asseoir quelque part pour dire comment on va déstabiliser telle personne, comment on va lui faire du mal. Non, jamais. Jamais, ça ne lui ressemble pas à ça. Donc, voilà, c'est tout cela qui forme le personnage, qui forge un caractère. Donc, lui, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça fait partie de lui. Et c'est pourquoi aussi, quand on le voit comme ça, forcément, on le combat. Parce que ou vous l'admirez, ou bien il devient vraiment un repoussoir pour vous. Parce que quand vous regardez, vous avez mauvaise conscience en le regardant. Ça, je ne vous dirai pas le nom, mais un chef d'État lui a bien dit, M. Gbagbo, je vous admire, mais je ne peux pas faire comme vous, parce que je suis trop compromis. Alors, ceux qui sont compromis, ou ils lui en veulent et le combattent, ou bien certains qui connaissent son combat, mais ils ne peuvent pas s'engager, parce qu'ils sont trop compromis, mais ils l'admirent tout de même. Et tout cela qui fait qu'il pose problème aujourd'hui en Afrique. C'est un mauvais exemple. Son exemple peut faire une chose, peut contaminer les autres. Comment un Africain peut oser se battre pour l'indépendance de l'Afrique? Comment un Africain peut oser parler du franc CFA aujourd'hui, parler d'une monnaie africaine? Comment on peut avoir une diplomatie où on n'est pas lié justement par ceux qui vous ont colonisé? Ou parler d'ouverture, de choses, d'élargissement de la carte diplomatique? C'est un langage qui n'est pas fait pour un chef d'État nègre. Le nègre, c'est la chicotte. C'est tout, le nègre, c'est la chicotte. Et le nègre qui refuse d'être chicoté, on prend même vos frères nègres pour vous chicoter. Donc, c'est malheureux. Vous savez, nous sommes des démocrates. Et quand on est démocrate, on est plutôt surpris. On ne s'est jamais assuré un pays pour dire, quand on parle de transition pacifique à la démocratie, là, c'est une conviction en nous. Les armes, tout ça, là, non. Et on ne regrette pas ce choix-là. On ne peut pas comprendre que des gens qui veulent prendre le pouvoir puissent quand même user de tous ces... de tous ces maléfices-là. On ne peut pas le concevoir. C'est pourquoi je dis, vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas la légitimité. Vous avez à la fois la légalité, la légitimité.
Ils n'ont même pas la légalité. Quand on n'a pas la légalité, on ne peut même pas avoir la légitimité. Donc à ce niveau-là, le 11 avril, là, on se demandait vraiment, je sais pourquoi je vous dis, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils agissent comme ça? Laurent Gbagbo n'a pas toujours compris pourquoi on le pilonnait. Il n'a pas compris cela. Il est juste qu'il est resté sans compte parce qu'il ne peut pas comprendre que quelqu'un qui dit gagner les élections refuse qu'on recompte les voix. Il ne peut pas comprendre que ceux qui nous ont enseigné la démocratie, nous ont parlé des valeurs démocratiques, de liberté, de choses, qu'aujourd'hui, là, ce soit ceux-là qui soient dans le faux et cherchent même à tenter ça, sa vie. Alors donc, quand on s'est battu comme ça, à un moment donné, ça fait pitié d'abord, ça fait pitié. Donc, il avait pitié d'eux. Il avait pitié d'eux. Et je crois que c'est tout cela qui fait sa force aussi. Pour le pays que je connais là, je ne me pose même pas la question. Le pays ne peut pas tourner la page Laurent Gbagbo. Le pays pouvait tourner la page Laurent Gbagbo, ça n'avait pas été ainsi. Et peut-être justement si Laurent Gbagbo avait démissionné, s'il avait quitté le pouvoir sous la pression, peut-être que le pays aurait dit, ah non, ce n'est pas ce chef-là qu'on voulait avoir, ce n'est pas ce chef auquel on pensait. La façon même dont il est parti là, rend le pays encore plus responsable justement de ce qui s'est passé. Donc pour le pays que je pense connaître, je peux me tromper, pour le pays que je pense connaître, on ne peut pas passer l'hypothèque Laurent Gbagbo. Tous ceux qui pourront, voudront emprunter cette voie-là trouveront nos bases sur leur chemin. Et la base du pays, je pense que je la connais. Mais c'est un parcours, c'est un itinéraire. Ce sont des convictions. C'est une fois dans le combat, c'est le courage, c'est l'intégrité, c'est l'humilité. C'est toutes ces valeurs-là. Toutes ces valeurs. Donc ça, c'est quand même important à comprendre. Et c'est ce que j'ai dit au FPI. Le FPI peut vous habiller d'un certain manteau à un moment donné. Mais si ce manteau-là, ils sont nos valeurs. Et vous cessez de porter ces valeurs-là, vous perdez le manteau que vous avez. Et Laurent Gbagbo, jusqu'ici, ne perd pas ce manteau-là, parce que justement, il est resté fidèle aux valeurs qu'il nous a même enseignées, qu'il a lui-même enseignées. Parce qu'il avait tourné le dos aux valeurs qu'il nous a données. Ça aurait été dramatique. Mais c'est tout cela qui l'attachement à un homme, c'est ça. Et aussi, il y a un certain charisme qu'il a. Ça, c'est peut-être pratiquement un effet magique. On a quelque chose, un don de plus que les autres. C'est une attraction, on ne peut pas. Entre le peuple de Côte d'Ivoire et lui. Entre le peuple de Côte d'Ivoire et lui. Il sent le peuple et le peuple le sent. Et ça, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher à ça. Vous passerez ensemble, le peuple va justement identifier Laurent Gbagbo. Mais ça aussi, ce n'est pas par hasard. Il m'a dit, on ne vient pas en politique par hasard, on n'est pas président de la République par hasard. Il faut un cheminement. Il faut un cheminement. Il y a une initiation. Et justement, il a reçu cette initiation-là. Il a pris des coups, il a souffert. Et quand on a souffrance, à un moment donné, on renaît à l'espoir. En vrai, cet attachement, c'est un peu tout cela. C'est indéfinissable aujourd'hui. Quand on dit Laurent Gbagbo, c'est même celui qui ne l'a pas connu, c'est indéfinissable. Mais quand on prend le temps de réfléchir, c'est ce qui explique cela. C'est un cheminement qui explique cela. C'est un parcours qui explique cela. Ce sont des convictions qui expliquent cela. Ce sont des valeurs qui expliquent cela, c'est une vision qui explique cela. Et c'est aussi cette osmose-là, cette audience pratiquement, cette donnée magique qu'on a, de plus que les autres, qui explique cela. C'est tout ça qu'on appelle le charisme. Je pense que Laurent Gbagbo a été livré à une certaine communauté internationale. Moi, j'avoue que de par mon éducation, de par ma culture, de par ma promotion, moi, je crois au droit. Il me dit que le droit sera dit coûte que coûte. Le droit sera dit, parce que déjà, quand on a eu à ajourner les preuves, le droit a été dit. Le droit a été dit, maintenant c'est la politique qui fait sa part. Or, quand on dit justement, quand la politique entre dans la porte du prétoire, le droit sort par la fenêtre. Je pense que quand même, il y a des juges de grande intégrité, je pense qu'ils sauront dire non à l'homme politique pour le libérer, parce qu'en droit, le doute profite à l'accusé. Le doute profite à l'accusé. Quand il n'y a pas de preuves contre vous, on ne peut pas vous dire attendez, on va aller chercher d'autres preuves. Puis quand vous attaquez quelqu'un comme Laurent Gbagbo, quand vous l'envoyez à la CPI, les preuves que vous envoyez sont les preuves fondamentales. Elles sont les preuves premières, je dirais. On ne va pas dire encore aller prendre des preuves de choses de deuxième main pour venir maintenant l'accuser. Donc pour moi, le droit a été dit. Mais il sera dit quand même. Très bientôt, en juin, il sera dit. Et Laurent Gbagbo sera libre. Il n'a pas sa place à la CPI.
La Côte d'Ivoire le réclame, l'Afrique le réclame, le monde entier le réclame. Là, je pense qu'on a déjà fait plus que notre cheminement. Lui, il a 69 ans, moi, j'ai 68 ans. Donc, à vie, là, je crois qu'on a traversé la vie ensemble. Ce n'est pas maintenant quand même que non. On ne se pose même pas la question. Ben, je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui peut nous séparer. On voit pas. Il y a quand même, je l'ai connu en 70, hein. 70, 2014, 44 ans. 44 ans, la vie de quelqu'un. J'ai 68 ans. 68 moins 44, vous voyez ce qui reste. Donc, ce n'est pas ce maintenant que je vais me poser ce genre de questions-là. On ne souhaite pas mourir très tôt, mais au moins, en mourant, il faut qu'on laisse quelque chose. Et c'est ça, seulement notre conviction. Laurent Gbagbo laisse déjà quelque chose. Mais je crois que la Côte d'Ivoire a encore besoin de lui pour terminer. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas eu le temps de réfléchir sa vision, attaquer des parts et d'autres, parce que justement, il était un visionnaire. C'est un peu comme on dit l'albatros de Baudelaire. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Ses ailes de géant n'arriveront pas à l'empêcher de marcher. Il marchera quand même. Il marchera. Et ça, je pense que j'ai confiance et j'ai espoir. Il n'y a pas de problème. Donc, je m'honore de son amitié et la confiance qu'il place en moi. Je pense qu'il honore aussi cette confiance, beaucoup d'Ivoiriens. Mais parler de Laurent Gbagbo, du côté humaniste, je dirais que c'est quelqu'un d'humain, juste et généreux. Il a été critiqué pour avoir été trop généreux au pouvoir. C'est quand même comique de voir ce monsieur humaniste-là à la Cour pénale internationale. Il est profondément humain. Il a la mémoire des visages, il a la mémoire des paysages, il a la mémoire des noms. Et quand il rend service, je ne veux pas qu'on le sache. Il est compassionnel. Il est plein d'empathie, plein de sympathie. Et ce monsieur-là, quand on vit avec lui, ce n'est pas du tout du frauduleux, du chiqué. C'est une nature, même il est comme ça. Ses larmes coulent facilement. C'est le président qui verse publiquement des larmes. Politiquement, c'est surtout sa vision qui me frappe. Il a une grande vision politique. Comme en 1990, il dit de la prison à la présidence, c'est une vision. Quand il dit vous concernant justement, je ne veux pas d'un journal de parti, mais je veux d'un journal d'information. C'est une vision. Parce que les journaux de parti ont disparu. Et notre voix, la voix sous différentes appellations, le Bolkoch, le Nouvel Horizon, tout cela, continue d'avoir pignon sur rue. Ça, c'est une vision. Et je pense que c'est important pour un homme politique. Et ça m'a frappé en lui, sa vision politique. Et quand on a une vision politique, c'est cette vision qui fait qu'il se bat aujourd'hui pour l'indépendance et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça aussi la vision. Parce que c'est que demain, c'est forcément par les indépendances que l'Afrique pourra s'assumer. Il s'est battu pour une monnaie africaine, aujourd'hui on en parle. C'est ça aussi qui fait la vision. Je pense qu'il a une certaine prophétie en politique et il a quand même une vision prophétique. Je pense tout simplement parce que Laurent Gbagbo est un intrus dans leur monde. Lui, il a dit, je suis victime d'une faute congénitale. On ne comptait pas sur moi, on ne m'a pas mis dans les ordinateurs. Quand on a tiré, c'est mon visage qui est apparu, comme Lumumba, comme Kwame Nkrumah. Donc il n'était pas attendu dans le monde des puissants, dans ceux qui savent se servir d'une tasse de thé. Il n'était pas attendu de ce monde. Et il a dérangé les mécanismes. Alors quand vous dérangez quelque chose, vous devez en payer le prix. Il savait bien qu'il allait en payer le prix, qu'il allait continuer d'en payer le prix. Donc ne soyez pas surpris. Et quand je vois la vie de ce monsieur-là, il a été élu en 2000, élu en 2010, élu en 2010. Et jamais il n'a eu une investiture comme il faut, sereine, tranquille. Le maire dit qu'il est venu dans des conditions calamiteuses. Non pas, ce n'est pas les élections qui étaient calamiteuses. On a fait un raccourci bien voulu, bienveillant. Ce n'est pas les élections, mais c'est les conditions dans lesquelles il est arrivé. Quand un président arrive au pouvoir, il ne sait même pas ce qu'il y a dans les caisses de l'État. Quand on lui dit d'aller, il ne peut même pas aller à la présidence pour signer les décrets, il faut qu'il aille chez lui. Quand ceux qui sont dans les rues, ce sont les morts dans les rues, ce sont les jeunes qui se battaient pour lui. Alors forcément, les conditions n'étaient pas faciles. Et quand un chef de parti, M. Ouattara aujourd'hui, demande d'aller prendre le pouvoir dans la rue, le pouvoir est dans la rue, battez-vous pour prendre le pouvoir dans la rue, et qu'il s'adonne à des tueries, on ne peut pas dire qu'on est venu tranquille au pouvoir. Et en 2000, ça a été la même chose. Pratiquement une tare pour lui, et chaque fois, il subit cela. Mais je crois qu'il est préparé pour cela.
Pas l'orang babo, c'est comme le saumon qui remonte les courants contraires. Il a toujours su rebondir. C'est le phénix qui s'est toujours renaître de ses cendres. Il a toujours su rebondir. Il a dit en 92, la prison à la présidence. En 90, tout le monde le vilipendait quand il était candidat contre Faubourgny. Mais comme il l'a dit, il s'est présenté. Il a été leader de l'opposition à partir de cette candidature. Et comme il a dit en 90, en 2000, on a dépouillé les bulletins de 90. Et ça l'a posé en interlocuteur. À chaque fois qu'on a voulu le salir, à chaque fois qu'on a voulu justement le faire passer pour mort, il a toujours su rebondir. Une vie étrange, la mort qui côtoie la vie, mais à chaque fois il rebondit. Je suis sûr qu'il rebondira après la Cour pénale internationale. Il rebondira certainement. Ben, notre idéologie, nous sommes socialistes. Le socialisme, c'est le partage, c'est la générosité, c'est la solidarité, c'est la justice. Nous sommes socialistes, le pays est socialiste. Ce que je tenais justement à dire, mais nous ne sommes pas porteurs d'un dogme. C'est la réalité du terrain, et il faut tout faire pour s'adapter à la réalité du terrain. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre? Quelle est la différence que vous faites entre socialisme et le FPI non porteur d'un dogme? Est-ce que ce n'est pas bonnet blanc et blanc? Non, porteur, il faut mettre quand même dans le contexte de l'époque où il y avait le marxisme et tout. Il y avait le marxisme de Lénine, le marxisme de Mao, il y avait Lénine et tout. Donc il y avait ce contexte aussi où chacun s'accrochait à une idéologie. C'était le temps de la guerre froide. Donc à ce moment-là, nous accrochons au socialisme, mais en sachant aussi que la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin d'idéologie en ce moment-là. La Côte d'Ivoire avait besoin de gens qui connaissaient le terrain, qui devaient se battre sur le terrain. Donc on ne pouvait pas rejeter quelqu'un parce qu'il venait vers nous parce qu'il n'était pas socialiste. On ne lui demandait pas aussi son idéologie. On lui demandait: qu'est-ce que tu peux faire pour le combat pour la démocratie? Est-ce que tu sais que ce combat est difficile, qu'il faut justement tout faire pour s'y maintenir et tout faire pour obtenir que la démocratie triomphe? Donc quand je dis qu'on n'est pas porteur d'un dogme, c'est un peu ça. On ne rejetait pas ceux qui n'étaient pas socialistes, mais on prenait la grande ouverture démocratique parce que là, il y avait un creuset qui pouvait unir tout le monde. Parce que dès qu'on disait socialiste, ça pouvait inquiéter certains. Quand on disait marxiste, ça pouvait inquiéter quelqu'un. Quand on disait capitaliste, ça pouvait inquiéter certains. Donc nous avons créé, offert un vaste creuset aux Ivoiriens pour se retrouver dans ce creuset-là. Et beaucoup d'associations sont nées à partir de ce creuset-là. C'est pourquoi je dis que nous avons une personnalité socialiste, mais nous n'en faisons pas quand même quelque chose d'une fixation. C'est que ce combat était indépendamment de nos personnes. Parce que vous prenez la formule de Laurent Gbagbo, et même depuis le serment de Strasbourg dont je vous ai parlé, si parmi nous, un peut rester en vie, même s'il est seul, il doit tout faire pour conquérir le pouvoir et changer la Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo qui dit que si je meurs, enjamber mon corps pour continuer la lutte. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Je ne sais pas s'il va entrer dans la terre promise si je n'entre pas continuer le combat. On voulait que nos personnalités ne comptaient pas en ce moment-là. Nous avions des convictions. Il fallait justement que ces convictions soient, que ce soit par nous ou sans nous. Et ça, c'est très important dans la lutte du Front populaire ivoirien. Très important à comprendre.